Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live du matin. Je vais attendre quelques minutes avant de commencer. Il est 44. Salut Véronique. J'espère que tu as bien dormi. On va attendre encore une petite minute avant de commencer. Si tu veux, en attendant, tu peux venir t'installer en tailleur sur ton tapis, passer tes mains sous tes fessiers pour venir t'asseoir sur tes ischios. Super. On va se réveiller en douceur pour faire le plein d'énergie et passer une merveilleuse journée. Salut Solène, j'espère que tu as bien dormi également. Allez, on va commencer. Namasté. Bienvenue dans ce yoga de 30 minutes pour se réveiller en douceur et passer une journée merveilleuse, pleine d'énergie positive et dans la bonne humeur. Je vous invite à venir vous asseoir en tailleur. Vous pouvez venir passer vos mains sous vos fessiers pour vous asseoir sur vos ischions confortablement. Vous redressez, mettre vos mains, paumes de main vers le ciel ou vos mains l'une sur l'autre en votre centre. Baissez bien les épaules en arrière, grandissez-vous, rentrez légèrement le menton et vous allez venir fermer les yeux et respirer profondément. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, il se resserre. Laissez monter de votre cœur une joie tranquille et vous pouvez laisser apparaître sur votre visage un sourire sincère et détendu. Puis relâchez les traits de votre visage. Laissez votre visage se détendre. Vos épaules sont relâchées légèrement vers l'arrière. Vous vous sentez merveilleusement bien. Votre respiration fait circuler votre énergie dans votre corps. Puis maintenant, vous ressentez de la gratitude et de la fierté de vous être levé et de prendre ce temps pour vous-même, pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, et pour unir votre corps et votre esprit avec ce yoga. On va prendre trois grandes inspirations, gardez les yeux fermés et soufflez la bouche ouverte. Inspirez, soufflez, inspirez. Soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux gentiment avec un grand sourire. Et vous allez venir vous asseoir, vous allonger, pardon, sur le dos. Vous pouvez allonger les jambes ou laisser les jambes plier, les pieds au sol. Ne vous en faites pas si vous ne voyez pas très bien l'écran. Vous allez vous laisser guider par ma voix. Ne relevez pas la tête pour regarder votre écran.
je vais vous guider. Vous allez d'abord tourner la tête à droite et à gauche, amener votre oreille vers le sol et respirer. Amenez votre oreille vers la gauche, tournez gentiment, faites glisser votre crâne sur le sol pour échauffer votre nuque. À droite, à gauche, continuez à tourner la tête, à droite et à gauche en respirant. Encore, à gauche, une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Revenez la tête au milieu et cette fois-ci, vous allez décoller la tête du sol sans décoller les épaules en amenant votre menton vers le ciel et reposez doucement le menton, le dos du crâne et le menton est rentré. Inspirez, relevez la tête, faites glisser votre menton vers le ciel et soufflez, reposez le menton sur le sol. La tête sur le sol, le menton en arrière. Encore, inspirez, décollez la tête, amenez le menton vers le plafond et soufflez, reposez la tête, gardez le menton rentré. Encore deux fois, inspirez, relevez la tête, décollez. Pour amener votre menton vers le ciel et souffler, reposez la tête au sol. Une dernière fois, inspirez, relevez la tête, décollez la tête du sol. Ne décollez pas les épaules et soufflez, reposez, relâchez. Vous allez venir étirer vos deux bras vers le ciel, attrapez vos mains, étirez vos bras au-dessus de votre tête, alignez avec votre corps, inspirez. Et soufflez, relâchez le bras gauche le long du corps. Et ici, on va venir échauffer l'épaule. Vous allez ouvrir votre bras droit sur le côté, faire un grand cercle le long du sol. Et inspirez, ouvrir le bras, le monter à la verticale pour le ramener vers l'oreille. Inspirez, ouvrez le bras sur le côté, laissez-le descendre le long du sol. Et soufflez, relevez le bras, décollez-le du sol, vertical pour l'amener vers l'oreille. Encore trois fois, soufflez, descendez le bras sur le sol. Inspirez, levez le bras du sol, ramenez-le vers l'oreille. Soufflez, descendez le bras sur le côté en cercle. Inspirez, levez le bras. Une dernière fois. Inspirez, descendez le bras et soufflez, relevez le bras jusqu'au ciel, jusqu'à vos oreilles. Inspirez, levez le bras gauche pour venir attraper votre main droite. Étirez-vous, levez les épaules vers les oreilles, amenez les bras loin derrière et soufflez, éloignez vos épaules de vos oreilles, descendez votre main droite sur le sol, le long de votre cuisse, vers votre hanche. Inspirez, on va faire pareil de l'autre côté. Soufflez, descendez votre bras gauche en cercle, le long du sol. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et vers votre oreille. Soufflez, descendez votre bras gauche sur le sol en cercle. Inspirez, levez votre bras gauche vers le ciel et vers l'oreille. Soufflez, descendez le bras vers votre hanche le long du sol. Inspirez, levez le bras, amenez-le vers l'oreille. Encore deux fois, soufflez, faites descendre votre bras vers votre hanche. Inspirez, levez le bras vers votre oreille. Une dernière fois, soufflez, descendez le bras. Inspirez, levez-le vers l'oreille. Relevez une dernière fois le bras droit vers votre oreille. Étirez-vous, ramenez les épaules vers les oreilles, vous pouvez peut-être même bâiller et soufflez, relâchez les épaules loin du corps, loin des oreilles. Inspirez et soufflez, ouvrez les deux bras cette fois-ci sur le sol et vous allez prendre appui sur vos bras pour vous redresser. Vous allez vous remettre en tailleur
Et on va venir réchauffer le dos en venant amener votre buste sur le côté, puis en avant, sur l'autre côté et en arrière. Vous inspirez lorsque votre buste passe à l'avant et soufflez lorsque le buste va en arrière. D'abord dans un sens, inspirez, soufflez. Faites de grands cercles avec votre buste. Imaginez que vous avez un stylo au bout de votre sternum et vous êtes en train de faire un cercle sur le sol. Soufflez en arrière, inspirez en avant et on change de sens. Soufflez, restez sur la gauche et inspirez, passez à l'avant de gauche à droite et soufflez en arrière de droite à gauche. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, encore inspirez, soufflez, inspirez et soufflez une dernière fois. Vous allez resserrer les genoux pour mettre les pieds au sol. Vous avez les genoux décollés du sol. Vous allez venir attraper vos mains sous vos genoux et vous allez étirer votre dos rond. Vous allez tirer sur vos bras pour étirer le dos. Vous allez sentir un étirement au niveau du haut du dos. Rentrez la tête, regardez votre nombril et tirez le dos en arrière. Sentez les tissus de votre dos s'étirer. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, éloignez les épaules de vos oreilles. Et soufflez, on refait le dos rond. Vous venez tirer sur vos bras qui sont bloqués derrière vos genoux, derrière vos cuisses. Rentrez la tête, faites le dos bien rond. Et inspirez, redressez-vous. Étirez votre colonne, grandissez-vous. Et soufflez, rentrez la tête, faites le dos rond une dernière fois. Étirez votre dos en arrière. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, croisez les jambes pour vous mettre debout. Alors. Ok. On va faire la salutation au soleil. Pommes de main vers l'avant, les pieds ancrés dans le sol, les épaules resserrées vers l'arrière. Grandissez-vous, le menton est parallèle au sol pour éviter le contre-jour. Le menton est parallèle au sol. Faites de l'espace entre vos vertèbres, rentrez légèrement la tête. Inspirez. Soufflez, amenez les mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, faites tourner les bras, ouvrez-les sur le côté. Levez les mains vers le ciel et soufflez, penchez-vous en avant. Le dos plat, amenez les mains au sol, pliez les genoux, regardez votre nombril. Inspirez, redressez la tête, le dos plat, regardez devant vous, demi-pince. Soufflez, posez les mains au sol et reculez la jambe droite loin derrière. Vous allez venir poser le genou droit sur le sol et vous allez ici étirer vos bras à l'avant. Inspirez et faire un grand cercle comme sur le sol avec vos bras. Encore un deuxième. Inspirez, faites pencher votre dos en avant et étirez vos bras sur l'avant. Et soufflez, ouvrez les bras sur le côté. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez, ouvrez les bras sur le côté, gardez les épaules bien basses, posez les mains au sol, retournez vos orteils à droite, poussez sur la jambe droite, inspirez et reculez la jambe gauche pour venir en planche. Le bassin est assez bas au niveau des épaules, voire un peu plus bas. Inspirez si vous voulez, posez les genoux, soufflez, descendez les coudes près du corps pour venir en Chaturanga Dandasana. Inspirez. Glissez vers l'avant, poussez sur les bras, chien tête en haut, tendez les bras, soufflez, retournez les orteils, contractez les cuisses
et venez en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, vous allez venir marcher sur place, monter sur une pointe des pieds, rentrer l'autre talon dans le sol, plier une jambe et tendre l'autre. Pour étirer et échauffer l'arrière de vos jambes, aplatir votre dos, poussez vos épaules vers vos orteils. Ressentez vos jambes et votre dos s'étirer, inspirez et soufflez. Vous allez marcher ou sauter jusqu'à vos mains. Inspirez, redressez la tête, le dos plat, regardez devant vous. Et soufflez, relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, redressez-vous, essayez d'avoir le dos plat le plus tôt possible. Levez les mains vers le ciel, les épaules basses. Soufflez, ouvrez les bras. On retourne à la posture de départ et on va faire la même chose de l'autre côté. Les épaules en arrière, pomme de main vers l'avant. Vous activez vos abdos, poussez votre coccyx vers le bas et votre nombril vers le haut. Activez vos jambes. Vos jambes sont contractées, ancrées dans le sol. Inspirez. Soufflez, amenez les mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, faites tourner les mains. Ouvrez les bras sur le côté, levez les bras vers le ciel. Et soufflez, penchez-vous en avant, le dos plat, jusqu'à venir poser les mains au sol. Regardez votre nombril. Inspirez, redressez-vous, le dos plat. Regardez devant vous et soufflez. Posez les mains au sol, reculez la jambe gauche, cette fois-ci loin derrière. Posez le genou gauche au sol. La cheville droite est en dessous du genou droit. Étirez votre colonne et inspirez. Allez chercher avec les bras loin devant et redressez-vous. Trouvez votre équilibre. Soufflez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, penchez le bassin, penchez les épaules vers l'avant. Levez les bras et soufflez. Ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez les bras en avant. Et soufflez, ouvrez les bras sur le côté. Venez poser les mains au sol. Retournez les orteils à gauche. Et reculez la jambe droite en arrière pour venir en planche. Inspirez, posez les genoux au sol si vous voulez. Soufflez, descendez les coudes près du corps. N'ouvrez pas les ailes. Pour venir vous allonger sur le sol. Inspirez, glissez vers l'avant, chien tête en haut, soufflez, chien tête en bas. Ici, vous essayez de ne pas faire le surplace avec vos jambes, mais si vous préférez le faire, n'hésitez pas, vous êtes libre de faire ce que votre corps vous demande. Inspirez et soufflez, marchez jusqu'à vos mains. Inspirez, redressez le dos plat, regardez devant vous, éloignez vos épaules de vos oreilles, rentrez vos omoplates en arrière, soufflez, relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, redressez-vous le dos le plus plat possible. Et soufflez, ramenez les bras, ouvrez les bras. Alors, on va faire un petit flow de guerrier. D'une manière un peu différente. Donc, pour le premier, vous allez venir reculer le pied droit à l'arrière, une assez grande distance entre les deux pieds. Le pied droit est parallèle au petit bord du tapis. Le pied gauche est plié, la jambe gauche est pliée, le genou au-dessus de la cheville vers l'extérieur, surtout pas à l'intérieur. Ici, vous allez venir décoller les bras parallèles au sol. Gardez les épaules bien basses, faites une belle ligne et regarde doux sur votre main gauche. Inspirez et soufflez, vous allez venir tendre la jambe gauche, levez le bras gauche vers le ciel comme un guerrier pacifique, sauf que là, avec votre main droite, vous allez pointer la jambe gauche comme si vous vouliez que votre bras droit soit parallèle à votre jambe gauche. Et regardez votre main gauche, inspirez, soufflez, pliez la jambe droite, ramenez les bras parallèles au sol et on va venir en grand angle latéral, sauf qu'au lieu de poser son coude sur son genou, on va venir mettre la main gauche pareil, parallèle à la jambe droite, dans la même direction que la jambe droite, inspirez,
Essoufflez, on recommence. Ramenez les bras parallèles au sol, tendez la jambe avant et levez le bras gauche vers le ciel. Étirez le bras droit loin, parallèle à la jambe gauche tendue. Inspirez. Essoufflez, on repasse en avant. Pliez la jambe avant et venez mettre votre bras gauche dans la même direction que la jambe droite. Étirez votre bras gauche. Inspirez. Essoufflez, ramenez les bras parallèles au sol, posture du guerrier 2, inspirez, essoufflez, revenez à l'avant du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit vers l'avant, pied gauche parallèle au petit bord du tapis. Vous allez plier la jambe droite, le genou droit poussé vers l'extérieur, au-dessus de la cheville, les hanches ouvertes et les bras parallèles au sol. Regard doux et paisible sur votre main droite, inspirez. Essoufflez, tendez la jambe avant, levez le bras droit vers le ciel et étirez votre bras gauche dans la même direction que la jambe droite tendue, inspirez. Essoufflez, pliez la jambe avant, ramenez les bras parallèles au sol et continuez vers le grand angle latéral, en mettant votre bras droit parallèle à la jambe gauche tendue. Étirez vos bras, le bras gauche vers le ciel, le bras droit dans la même direction que la jambe. Inspirez, revenez en guerrier 2, tendez la jambe avant et revenez en guerrier pacifique avec le bras gauche parallèle à la jambe droite. La jambe droite est tendue. Inspirez. Essoufflez, ramenez les bras à l'horizontale, pliez la jambe avant, poussez bien le genou vers l'extérieur et basculez vers l'avant, étirez votre bras gauche, étirez votre bras droit dans des directions opposées. Inspirez, essoufflez, ramenez les bras parallèles au sol et revenez à l'avant du tapis. Alors, on va passer sur le sol pour faire la table inversée. Vous l'avez déjà fait avec moi hier matin. Alors, ici, on va venir tendre les jambes, mettre les mains au niveau des hanches, sur le sol, et on va inspirer, glisser vers l'avant, lever le bassin, regarder le plafond, souffler, repousser le sol pour venir vous asseoir. Inspirez, glissez vers l'avant, levez le bassin, soufflez, repoussez le sol pour venir vous asseoir. Encore, inspirez, levez le bassin, soufflez, repoussez le sol, tendez les jambes. Encore deux fois, inspirez, levez le bassin, soufflez, reposez le sol. Encore, inspirez, levez le bassin, soufflez, reposez. On va se lever, inspirez. Et on va venir mettre les bras parallèles au sol et vous allez venir tourner. Regardez ce qui vous entoure. Respirez, prenez plaisir. Occupez votre espace. Laissez votre énergie se dégager et se mêler à l'énergie de votre environnement. Ok. Relâchez les bras et on va venir se mettre à genoux. Ici, vous allez venir mettre vos mains dans votre dos. Gardez les épaules bien basses. Et on va pousser le bassin vers l'avant, regardez le plafond, revenez, inspirez, poussez le bassin vers l'avant, soufflez, revenez, inspirez, poussez le bassin vers l'avant, soufflez, revenez. Encore, continuez à votre rythme, n'oubliez pas de laisser vos épaules basses, poussez votre bassin vers l'avant, gentiment, pas trop loin, sans vous faire mal. Encore. Et une dernière fois.
Inspirez. Soufflez. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons en posture de l'enfant. Hop, je vais baisser un peu. Donc vous vous asseyez sur vos talons et vous étirez les bras loin devant, le front sur le sol. Si vous préférez de lâcher vos bras le long du corps, vous pouvez. Respirez. Vous allez ici essayer de faire glisser votre nez sur le sol, d'amener votre buste le plus proche du sol pour vous redresser en cobra et revenir en chien tête en bas. Inspirez, vous allez revenir en planche, le bassin assez bas. Soufflez, posez les genoux si vous voulez et descendez, vous allongez sur le sol. Inspirez, glissez vers l'avant, chien tête en haut, tendez les bras, les épaules loin du corps, soufflez, repoussez le sol, venez en chien tête en bas, encore, repassez en planche, repoussez le sol avec vos bras pour faire le dos rond, soufflez, descendez sur le sol, vous pouvez poser les genoux au sol si vous voulez, inspirez, glissez vers l'avant, chien tête en bas, encore, soufflez, repoussez le sol, chien tête en bas. Et une dernière fois, inspirez, revenez sur la planche, repoussez le sol, soufflez, descendez, vous allongez sur le sol. Inspirez, glissez vers l'avant, chien tête en haut, soufflez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez vos jambes vers vos mains. Et soufflez, déroulez le dos doucement en terminant par la tête. Prenez un instant ici, les épaules basses, les pieds ancrés dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va venir se mettre au sol. Ouvrez les yeux, redescendez sur le tapis. Et on va faire le bateau. Donc étirez votre colonne, levez les jambes parallèles au sol et mettez vos bras. Soit vous pouvez vous tenir, soit vous laissez les bras parallèles aux jambes. Inspirez et soufflez, descendez, contractez votre périnée. Descendez sur le sol. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, descendez sur le sol. Gardez bien le périnée contracté. Inspirez, redressez-vous. Les jambes parallèles au sol. Et une dernière fois, soufflez. Descendez en demi-bateau. Seul le dos, le bas du dos touche le sol. Les épaules et les jambes sont relevées. On tient, encore, encore. Contractez bien le périnée. Inspirez et soufflez, vous pouvez relâcher. Vous allez venir vous allonger sur le sol pour une minute de détente. Les pieds sont légèrement écartés, les bras sont légèrement écartés. Et vous allez laisser votre corps se relâcher complètement dans le sol. Respirez profondément. Laissez votre corps intégrer les mouvements que nous avons faits ce matin. Laissez intégrer la chaleur que vous avez créée dans votre corps. Les étirements, les tissus s'assouplir.
continuez à respirer profondément, à laisser votre visage se détendre, vos bras s'enfoncer dans le sol, vos jambes également. Sentez le poids de vos talons augmenter et rentrer dans le sol. Votre dos est détendu. Votre nuque et votre cou sont détendus. Et vous laissez ce bien-être s'ancrer dans vos cellules. Ressentez votre estime augmenter, votre confiance en vous augmenter. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous prenez soin de vous. Et notre premier produit de beauté est l'ambiance intérieure que nous cultivons. Cultivez le positif à l'intérieur de votre être. Pour embellir votre extérieur, pour amener le positif autour de vous. C'est la loi de l'attraction. Il est possible que certains pépins vous arrivent, mais il est dans votre pouvoir de transformer ce pépin en pépite, de trouver le positif dans chacune des situations pour avancer et évoluer et se rendre meilleur un peu plus à chaque fois. Ne laissez pas le poids des choses que vous ne contrôlez pas venir vous étouffer. Venir étouffer votre positivité, votre bonne humeur. Gardez cette bonne humeur, quoi qu'il arrive. Vous allez prendre une grande inspiration et laisser échapper un soupir sur l'expiration. Ah! Encore deux fois, un peu plus fort à chaque fois. Inspirez. Et une dernière fois, encore plus fort. Inspirez. Et vous allez bouger les doigts, bouger vos orteils. Vous pouvez vous tourner sur votre droite. Gardez les yeux fermés si vous voulez, ou les ouvrir. Et venir vous asseoir. On va terminer la séance. Vous allez venir mettre les mains en prière au niveau du cœur. Gardez les épaules bien basses. Inspirez, fermez les yeux. Et venez amener vos mains au niveau de votre front pour rendre nos pensées saines et positives. Inspirez. Amenez vos mains au niveau de vos lèvres pour rendre nos paroles saines et positives. Inspirez. Amenez nos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions saines et positives. Prenez une dernière grande inspiration et vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire et le garder toute la journée. Namasté. Alors, comment ça s'est passé, les filles? Vous voulez bien me laisser un petit mot? Est-ce que ça va? Vous êtes prête à passer une journée et à tout déchirer? Ça
Ça marche, super. Bah, mercredi matin alors. Bonne journée, Solène. Parfait, c'est génial, c'est ce que je voulais. Eh bien, bonne journée alors et à très bientôt. Namasté.